Alors, comment dessiner un wakapi anthropomorphique? Le haut de la tête et les oreilles. Après là, faire des trucs comme ça. Voilà. Le bas de la tête. Deux yeux. Un museau. Un museau. Le corps. Les pattes, les sabots des bras, les rayures sur les bras, si n'oubliez pas les pattes pour le wakapi, les sabots, les rayures, et maintenant on va faire les petites cornes parce que c'est un gars. Voilà un gros capillaire anthropomorphique et un bon dessin. Voilà.